Salut tout le monde, c'est Banak48 et bienvenue dans ce nouvel épisode de... On va s'arrêter. De Harry Potter à l'école des sorciers sur PS2. Merci d'avoir retrouvé le manuel de métamorphose à l'usage des débutants, Harry. Tiens, voici une carte de sorcier. Elle me parle par télépathie, c'est trop cool. Une carte grise. Bowman Wright. D'argent. Célèbre pour avoir élaboré le vif d'or. Il mérite un or. 1492-1560. Putain, mais ce mec, il mérite la médaille d'or. Enfin, une carte d'or, quoi. Pas une carte grise, c'est... Alors. Perdu une paire de gants en peau de dragon. Dernier emplacement connu près du lac. Prière de la rapportie à ce panneau d'affichage. Est-ce que je vous ai défoncé le oui? Oui. Tant mieux. Oui, oui, vous avez compris la blague, lol. C'était trop marrant, tout le monde s'est marré. Il y a eu une attaque cardiaque tellement c'était marrant. Et puis ensuite, bah, c'est fini. Voilà, c'était moi. Je rêve d'une chaîne où les gens rient à mes blagues. C'est pas le cas. Bref. Bon, j'ai dit à Buster, parce que tout à l'heure il était pas avec moi sur Skype, donc j'ai envoyé un message, il m'a dit qu'il était là. Et ensuite, je lui ai dit que j'appellerai quand j'aurai fini. Mais suite à la nostalgie que j'ai eue en jouant à ce jeu, évidemment c'est un mensonge, juste parce qu'en fait j'ai envie de jouer à ce jeu tout simplement. Et... En ce moment, si je comprends bien, tu sais qui est là-bas, dans la forêt. C'est... Je t'ai pas parlé hier soir. Il survit grâce aux licornes. Donc je sais pas comment tu le sais. Tu ne crois pas qu'il va... Donc je pense que mon est télépathique dans cette putain d'école. S'il en avait eu la possibilité, je pense qu'il m'aurait tué cette nuit. Je pense que je crains un petit et peu moi, trop fort. Quand je pense que je m'inquiétais pour mon cours de potion, tu vas t'inquiéter de la puberté, bordel. Pour les poisons courants. J'espère que t'as trouvé tous les ingrédients. Pardon? Non. Non, j'ai pas trouvé tous les ingrédients là. J'ai trouvé genre. Non. Non. Non, j'ai pas trouvé tous les ingrédients là. Non. Merde, fallait que j'y pense moi. Bordel. C'est comme dans la vraie vie. Sport des colis plus fatos se produisent en florissant. C'est quoi les plus fapodes? Quand on en dit, du mucus se produit par les pour appeler ça les. C'est où, bordel? Bon, tu sais quoi, je vais y aller, je vais dire, oh, j'ai pas fait mes beurres, c'est trop cool, oh là là, je vais avoir des pains. Oh, c'est aux triste. Épinards, au café. Les épinards. Comment je fais, moi, du coup? C'est la question. Il devrait mettre des caméras dans cette école, vu le nombre de gens qui sortent la nuit. Bon, Ron voulait sûrement me parler, mais ensuite, je l'ai snobé, donc il était triste, voilà. L'histoire de ma vie, bref. Chpank. Voilà. Au revoir, Ran. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui vient de me murmurer dans l'oreille de manière très très subtile? Connasse. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas légal. Eh, c'est un jeu pour enfants, hein. Je suis sûr que j'ai entendu ça, je suis sûr que c'est pas mon esprit mal placé. Incendio. D'accord, c'est un mensonge. Non mais je suis sûr, je crois que j'ai entendu ça. Je vous jure. Ok, Ron allait foncer dans le mur, heureusement que je l'ai arrêté, mais bon. Faut vraiment le tenir en laisse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas pourquoi ça a sonné bizarre là, à l'instant maintenant. Est-ce que je peux allumer ça? Non, je peux pas. Là, par là, il y a quoi? Mais il y a des trucs sympas! Dégage! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Chemin! Une animation! Et on l'a déjà vu 4 fois! Ah merci! À quoi ça sert cette animation? Je comprends pas! On la connaît, il la skip vers la moitié en se disant oh non, c'est trop long, on leur enlève ça. Alors enlevez l'animation totale! Boulet! Sérieusement, les effets spéciaux on dirait trop Silent Hill. J'en ai marre. Je pense qu'en fait il y avait un pack livré aux développeurs qui ont choisi de faire leur jeu sur PS2 et genre dedans il y avait plein de effets spéciaux. Genre ils ont mis ceux d'Harry Potter, ils ont Greta tout mis à l'intérieur. D'amour, auteur de Comment ensorceler son fromage. Qui va acheter 1960, ça aujourd'hui. Qui, à part les gens de 40 ans, qui vont acheter ça?
enfin qui va acheter ça, qui vont acheter ça, c'est pas français, qui va acheter ça sérieusement, à part les gens de 40 ans, oui, comme j'ai dit. Oh 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 oh. Spike. On pourrait pas faire de la fumée, je sais pas, quelque chose comme ça. Sur Silent Hill 1, il y avait bien de la fumée, hein, partout même. Waouh, les flamants 2D. Une carte de sorcier. Qu'est-ce que ça, t'es pas content, le budget n'est pas assez gros, tout est parti dans Poudlard. Genre, modélisation du château, putain, ils ont dû se faire chier. Blenheim Stalk. On dirait un ministre, quoi. Spécialiste des non-magiciens, qui écrivit, entre autres œuvres, les non-magiciens qui nous voient. Normalement, c'est entre guillemets, 1920, c'est souligné, hein, je veux pas dire. Enfin non, c'est pas souvent entre guillemets, c'est surtout en fait souligné. Mais là je pense pas qu'il y ait l'option souligner sur ce truc. Comme je vous l'ai dit, je sors du bac de français, donc je suis un petit peu traumatisé. Excusez-moi. Pourquoi il y a des torches qui sont éteintes et d'autres allumées là? C'est pas possible ça, putain. J'en ai, ils ont décidé d'éteindre les torches, tu vois, le matin, mais ils sont dit oh, fuck it, c'est bon. Je vois combien de points d'avance déjà. Oh, 195, et les serpentins ils sont à son. Oh, 180, 149, oh, c'est triste. Placard à balai, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a une porte aussi petite que dans Alice au Pays des Merveilles? C'est quoi ce bordel? J'ai beaucoup bordel. Oui, cette blague était réfléchie, pensée par beaucoup de gens dans ma tête. Et puis ensuite, elle est sortie de ma bouche. C'est plutôt mes cordes vocales. Arrêtez de vous téléporter. Ça m'énerve quand vous téléportez. Là-bas, je vais juste y aller parce que je sais qu'il y a... Ok, son vrai passé à travers la grille encore. Parce que je sais qu'il y a des trucs que je dois allumer. On shoot Bruxelles. Bon, toute l'école m'a entendu, là. Trip. C'est parti dans les tuyauteries et tout. Oui, parce que... Okay. Poudlard a des tuyauteries, hein, c'est confirmé dans le 2. Merci. Tu peux arrêter de viser comme si tu étais bourré, Harry. Voilà, c'est bien, merci. Aux crottes de nez. J'aimerais bien voir un sorcier bourré, quoi. Ça devrait vraiment être comique. Aux crottes de nez. Enfin, surtout un petit peu mortel, parce que s'il commence à lancer des Avada Kedavra dans tous les sens, ça va pas être trop marrant. Il n'y a même pas de clank ou de schling ou de blin. Non, juste, voici une porte. Tu peux l'ouvrir. Et c'est à toi de le deviner. Because why not? Pas grave. Ah, encore une zone encore plus grande avec encore plus de poids cassé. Putain, sérieux, je me croirais dans Zelda. Et en plus, c'est ce baguette. Ah, pas possible ça. Ah, merci, je t'aime, toi. Affreux, au vomi. Toi, je t'aime pas, t'es violé. Ouais, je suis raciste envers les violets. Et alors, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Voyons, vous ne pouvez pas me toucher. Je suis intouchable. Lol, intouchable comme le film. Je crois que je vais arrêter parce que je sens qu'il y a des gens qui vont me frapper s'ils me croisent dans la rue. Je crois qu'ils vont me frapper, mais genre... Qu'est-ce que j'ai fait? Quel truc j'ai attrapé? Je crois que c'était ça, mais je suis pas sûr. De toute façon, j'ai en deux exemplaires, donc je m'en fous. Ok, bah... Je t'ai vu. Quand je t'ai vu. Oui, Harry, s'il te plaît. Oh, le caméraman, il peut se ramener, s'il vous plaît. Chef, je crois que Thierry, il est bourré. Ça, c'est pire que dans Silent Hill. Bon, Harry, t'es bien ça. T'es trop sympa, même. Mais franchement, t'es mon meilleur ami de tous les temps. Mais tu peux viser ce putain de truc. Putain, j'ai vraiment cru qu'il le ferait jamais. Putain. Oui, mais il fallait se mettre dans un certain angle. Auquel moment la selle pourrait être poussée dans une vitesse de 180 cm. Et ainsi, elle correspondrait à la solution de l'énigme. Non mais sérieux, c'est un jeu pour gros gosses, hein. C'est pas Silent Hill. Faut se calmer. Ouais, je confie. Maintenant, dès que j'ai. Ouais, je l'ai passé parce qu'on avait déjà un double commentaire, du coup, vous l'avez déjà lu. Forcément, à part si vous avez Alzheimer, dans ce cas, je suis désolé. Mais il faut que ça s'arrête de mettre pause. Sauf que je doute que vous pourrez mettre parce que j'ai laissé l'image pendant une demi-seconde. À moins d'être des ninjas du sommeil, vous ne pourrez pas poser la vidéo. Là. Oui, des fois en fait je manque d'inspiration pour dire des conneries. Ça arrive.
Du coup, en fait, dans ces moments-là, normalement, il y a Buster qui est censé me venir à ma rescousse, sauf que là, il n'est pas là, évidemment, parce que je joue en solo. Salut, t'as des trucs à me vendre. On échange une carte de sorcier, Harry. Tu es censé être un serpentard, je suis censé être raciste contre toi. On échange une carte de sorcier, Harry. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, allez, ouais. Ouais. Oui. 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 Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu m'as ramené tout en avant, espèce de salaud. Tu m'as ramené tout en arrière, espèce de salaud. Attends, combien ça? Putain, arrête. Putain, il m'envoie n'importe où, là, c'est n'importe quoi, bordel. Vous mettez pause, hein, pour les trucs que j'ai, hein. J'ai pas pensé, en fait, sur le coup, parce que j'en ai tellement. Mettez pause. Choup. Attends, d'abord, on va voir si j'en ai pas dans les 100 et quelques. Ah, j'en ai plein, bordel. Ouais... Pause, mettez pause, et voilà, pause. Oh lord, il va tellement me donner un truc de bronze, le salaud. Mettez pause. Et je lui donne un truc en or et lui me donne un truc en bronze. Si ça, c'est pas du rat. What? Attends, je lui vends des cartes, mais il les accepte pas, mais il m'en donne d'autres. C'est quoi ce bordel? Ok, je comprends pas, mettez pause encore. Mettez pause. Mettez pause. Ah, j'en ai 3, c'est pour ça, mais en fait, sur le truc, il y en a que 2, c'est pour ça que je comprends pas. Et hop là, mettez pause. Hop là, il y en a 2. Mettez pause. Ah, non. Pourquoi j'ai fait ça? Hop là, putain, j'en ai plein. Mettez pause. Putain, mais je lui donne des trucs. Oh, je t'emmerde. Par un étrompeur, la truc. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. Ce jeu n'est pas interdit au moins de 10 ans, hein, je veux pas dire. Mais on voit un mec sans palais. Ok, c'est caché par son t-shirt, mais imaginez l'enfant. Il sait ce que c'est un empalage. Un empalement? Un empalage? Je sais pas ce que c'est. Bref, il sait ce que c'est être empalé, je pense. Il voit ce que c'est. Il sait que ce mec-là, il est pas vivant, il est mort. Il est mort. Et il le sait, le gamin. Bon, c'est pas grave, mettez pause. Il le sait, le gamin. Il est pas con, le gamin. Ah, j'ai un nouveau commentaire. Je viens de voir la petite cloche là de YouTube, elle me fait un 1 rouge. Pour me dire qu'il y a encore quelqu'un qui m'a défoncé dans les commentaires. Non, j'ai con. Mettez pause, hein, et lisez-moi son pavé. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé avec ma voix, c'était plutôt marrant. Haha, lol. Putain, j'en ai plein. Pardon, mais je veux bien que je te donne des cartes en or depuis tout à l'heure, mais là je t'ai donné un carte en bronze et puis donné un or. Bon, c'est pas vraiment ça le problème, hein. Depuis j'ai compris ta logique non existante. Mais t'aurais pas pu me donner celle-là en première? Je sais pas, Harry Potter, tu l'avais en toi, bitches, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je remets mon torse là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est con parce qu'en fait vous pouvez pas voir ma caméra parce que je peux pas la tourner parce que ça va laguer mon émetteur. Peut-être que maintenant je peux la mettre parce que du coup ça fera pas laguer mon émetteur parce que puisque j'ai mis en résolution normale, peut-être que ça va moins bugger. Enfin moins bugger plutôt, pas moins bugger, moins bugger tout court. Est-ce que j'en ai encore là? Faut que j'arrête de parler parce que je sens que j'allais péter un câble oculaire. Oculaire c'est les yeux donc je vais dire. Ah j'ai l'air là. J'ai mis 3 ans à le trouver dans le 2 PC. Mettez pause, je vous le rappelle. Oh, j'ai la femme de Dracula, mettez pause, je vous rappelle. Et je crois que c'est la dernière. Oh mon dieu, j'ai toute une pile. Yes, toute une pile évidemment. Mettez pause, voilà, voilà. Oh, attendez. Je crois que c'est bon. De toute façon, quand j'en aurai plus à échanger, il... Ok, donc là, j'ai évité de faire accepter carte parce qu'après, il va me l'enlever. Donc, lisez la carte si vous pouvez. Ah, c'est bon. Vous avez mis pause, c'est cool, au revoir. Voilà, j'ai plein de vie. Il m'a viré de mon livre en mode j'en ai rien à foutre. À ta place, je ne rentrerai pas sans avoir les ingrédients que Rogue a demandé. Il veut les chercher où, espèce de gentille fille? Bon, je vais aller dehors, je vais prendre mon balai, je vais faire rien à tout. Et je vais chercher le livre qu'on m'a demandé d'ailleurs. Hop là. Du coup, j'ai passé un épisode en gros, là, parce que ça fait 40 minutes que je tourne en tout. J'ai passé un épisode à faire le con dans les caves du château, des conneries, à échanger des trucs, et après j'ai fini. Sérieusement? C'est ça ma vie? C'est ça ma vie? Oh, ça me plaît. Allez, on y va. Allez, on va faire des trucs pas très légaux. Oui.
Je te vois. Je te vois chose au sol. Aïe. Un truc pas très bien caché, j'ai pas envie de dire, mais bon. Hop là, hop là. Merci. Oh oui. Des gants en peau de dragon. Exactement ce que je cherchais. La façon dont il dit, c'est comme s'il avait trouvé un truc, son cadeau pour Noël, quoi. Oh, c'est exactement ce que je cherchais pour offrir à Hermione. Elle va être folle de moi. Harry, qu'est-ce que tu fais? Ok, il veut pas aller par là, il est dissident, c'est pas possible. Arrête! Harry! Franzi a dit que les dissidents, c'était pas rien. Oh! Harry! Il va... On a 48. Tonton Barra 48, ça fait un petit peu long comme nom. Va se fâcher, attention. Il va se fâcher. Et bon, voilà, il s'est pris un mur. J'espère que t'es content. Mais qu'est-ce qu'il fait, bourré? Harry, tu peux arrêter, s'il te plaît? Au sol. Au sol, mais au sol. Mais espèce de con. Mais tu es con. Mais tu es stupide. Tu es naïf, Harry, tu es naïf. J'ai tellement envie de voir ce commentaire, là, je... pardon, oui, quand je rentre? Je veux dire que... En fait... je fais comment? Non, je suis désolé, mais... Non. Je peux pas rentrer. J'étais censé venir là la nuit. Genre en mode je suis un fou dangereux et je vais tous vous buter pendant que vous dormez. Et ça t'en fait mal. D'accord, ok, je suis vraiment trop couillon. Il faut retourner à la cabane de Hagrid et utiliser les sorts qu'on n'avait pas avant. Genre, j'avais même pas remarqué qu'il fallait utiliser un crack batamoon, un incendio. Excusez-moi, je suis autiste, hein, voilà. Excusez-moi, hein. J'ai passé une heure à faire ces conneries. Oui, j'ai passé une demi-heure à chercher ces conneries. Hein. Donc, vous allez m'excuser et pas me frapper, hein, tout simplement. Hein. Je vous demande de me pas frapper. De ne pas me frapper. C'est pas trop demandé, je pense. Arrête, Harry, non. Harry, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, Harry? On a dit la drogue, c'est mal, oui. On se fume un pétard? Non! 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 Harry, s'il te plaît. Moi, est adorable. Pardon, excusez-moi. Je crois que je sens, je sais pas pourquoi, qu'il va y avoir tellement de moments de cet épisode-là qui vont finir dans la compilation. Toutes ces conneries-là. Putain. J'ai quand même dû regarder sur une FAQ pour comprendre comment ça marchait. Écoutez-moi ces bruits, sérieux. Ça pourrait effrayer un enfant. Il pourrait plus jamais s'endormir avec ces bruits. Ce jeu est déconseillé au moins de 7 ans. Je crois, je sais pas. Il y avait pas de Peggy quelque chose. Je sais même pas si les Peggy existaient à l'époque. Je sais même pas comment ça a été créé et je m'en fous. Et pourquoi il y a de la brume là? Je comprends pas. Encore une fois, je ne vais pas faire de comparaison avec Silent Hill. Hein. C'est trop cliché. Encore des grottes, sérieusement, c'est quoi ce... Poule piquée, c'est quoi cette chose? Regarde-moi cette rangée de dents, on dirait des humaines. Poule piquée, couvert d'épais poils noirs, super. Il possède une seconde paire de bras et de jambes, ainsi qu'une double rangée de... Ah bon, double rangée? De dents acérées et empoisonnées, super. Un antidote après... Ok. Flipendo, antidote, je n'ai pas. Flipendo, j'aille, évidemment. Évidemment. What the fuck? Oui, oui. Aussi, ouais. Je suis totalement d'accord avec vous, madame. Anyway.
C'est quoi ce bordel? Un fondant du chaudron. C'est quoi ça? C'est quoi? Et des manivelles, c'est quoi? C'est un truc d'acrobranche? On a Poudlard, allô? Vous connaissez Poudlard, magie, tout ça? Non, ça vous dit rien? Ok, hein, si c'est comme ça. Bon, d'accord, ça aussi, ça me dit je t'emmerde. J'apprécie, hein, j'apprécie vraiment. Ça me fait plaisir. Hein. Bon, j'adore. Incendio! Ah, tu t'en fous? En mode. Oh non! Fuck you! Ah, d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bonjour, vous allez bien? Ça ressemble à un Veracross. En 2D! Parce que. On n'a pas l'argent pour modéliser des trucs en 3D alors que tout le reste est en 3D, je ne sais pas. Ne me posez pas la question, regardez-moi ces arrière-plans, ils sont magnifiques. Ça doit être un Veracross. Mais comment récupérer le mucus? Viens ici, salaud. C'est dégueulasse, tu peux pas l'attraper tout simplement. Incendio! Rabadaboum! Incendio! Je vais pas devoir le pousser quand même. Je vais devoir le pousser. Sérieusement? Ah, il y va tout seul. Il est trop gentil. Il va tout seul vers sa mort. Oh, c'est mignon. Pourquoi vous popez? Pourquoi? Pourquoi vous popez? Pourquoi? Vous m'énervez, mesdames et messieurs. Vous m'énervez. Et pourquoi il y a des trucs en dessous? C'est pour récupérer la sport? Je sais pas. Oui, non, peut-être. Oh merde. On va dire que tu vas mourir, hein? Parce que voilà. Voilà, tu es mort. Vous êtes mort. Oui, bravo. Quel acteur talentueux! Merci. Ah, c'est dégueulasse. Oh, super! Ouais, on dirait vraiment un slime. Blanc. Parce que on a les copyrights, tout ça, vous comprenez? On peut pas trop faire n'importe quoi non plus. Sérieusement, mec. Sérieusement. Bon. Ploc. Ok, d'accord, calmez-vous, ça va, j'ai compris, bravo, ouais. Pas d'en faire tout un plat, calmez-vous, voyons. Ok, okay, ils sont un peu flou là-haut. Oh. C'est intense. Wow. C'est quoi, il a mangé Harry, c'est pour ça, il a compris le sens de l'univers et de ce qu'on a appris, il a oublié, c'est ça? Ah bah bravo, hein, les anges, tout ça. Tout ça pourquoi? Bah pour rien, évidemment. Oh, mais il m'énerve, Harry. Attends! Il y avait un deuxième livre. Je suis sûr que ça parlait des mucus de... Enfin, ça me parlait des Veracross. Ah, attention! Waouh! Les Veracross, c'est une créature épaisse et marron qui peut atteindre 25 cm de long. Putain, c'est détaillé ces conneries. Ces deux extrémités reproduisent un mucus utilisé pour épaissir les potions. C'est la levure, quoi. Pourquoi ils n'utilisent pas la levure, sérieusement? Ça donne le même résultat, bordel. Il se nourrit de tout type de plantes avec une nette préférence pour la laitue. Comme les escargots, mais je doute que la levure soit utilisée avec du bouillie d'escargot. Je préfère pas m'imaginer parce que je fais souvent des gâteaux et je ne veux pas imaginer mettre de la bouillie d'escargot dedans. C'est dégueulasse. Arrête, arrête, arrête de visualiser. Donc. Incendio! Incendio! Voilà. Bonk. Voilà. Oh mon dieu, mon dieu. Harry, arrête. Je sais pas ce qu'il fait avec la Wiimote. Oui, évidemment. Ceci est une Wiimote, oui. Vous pouvez pas voir ce qui est pas ma caméra, mais oui, c'est une Wiimote. Ça s'appelle une Xbox 360 controller. Oh mon dieu. Alors tu peux éliminer. Normalement, on vous voit, mais c'est pas grave. Tu peux éliminer les Poufapod avec un Flipendo. J'adore son nom, Poufapod. On dirait un truc pour. Vous savez, une chaise, là, design. Un Poufapod, ouais, on dirait en plus un cousin. Super, tu t'assuies dessus, ça pète. C'est marrant, lol. Prends garde à leur sport, elle crée un nuage de fumée empoisonnée. Sérieusement? Sérieusement?
Même en physique, chimie, en première S, on fait pas des trucs aussi dangereux. Et lui, il est en première année. Ça correspond environ en 6e, je pense, avec le système français. Mais il est en 6e année. Il va dans des forêts interdites où il a une chance sur 3 de crever dans d'atroces souffrances de manière très, très violente. Il doit utiliser des trucs pour créer des potions. Une pâte à citrouille. Avec des champignons qui libèrent des nuages empoisonnés. Ok, je sais pas ce qu'il fait, Fudge. Fudge étant le premier ministre de ce magnifique système magique. Mais je pense qu'il doit arrêter les drogues. Ce serait mieux pour tout le monde, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, c'est dégueulasse. J'ai que ça à dire, là. C'est dégueulasse. C'est... Waouh, quel joli effet de fumée. Pourquoi c'est condamné, quoi? Sérieux? Sérieusement? Y'a que moi qui trouve ça shallow? Ah bah, on peut rentrer, là. C'est condamné, mais pas trop. Oui, j'ai compris, je vais devoir les enfermer. Hein. C'est dégueulasse. Harry n'a aucune conviction dans les sorts qu'il lance. Il lance et puis, ben voilà, s'il se trompe de cible, ben, c'est pas très grave. De toute façon, c'est tous des salauds. Voilà. Mais de la conviction dans tes lossés, bordel. J'aime à préférer du théâtre, Harry. Tu sais, le truc comme Flipendo. Ça, non, ça te dit rien. Bon bah au revoir hein. Ah, j'étais obligé de passer par là. Ok, je pensais que t'allais donner un bonus, des trucs comme ça. Non, que pouic, que dalle, que pouic, que dalle. Je suis déçu, Harry. Vraiment déçu. Oh, fermez-la. Attendez, à quoi ça servait là? J'ai pas compris. Il y avait un trou, puis ensuite il y avait plus de trou, et ensuite il y avait un troisième trou. Ah ou non. Oh mais réveille-toi. Non pas toi. Hop là, lancez dans le trou. Oui. Vas-y, va dans le mur, hein. Je te dirai rien. Bon, en sang, je vais m'occuper de lui parce que lui au moins il est pas bugué, hein. Contre un certain monsieur. Hein, bordel. Ah, il s'est débugué, ça va. J'ai eu peur, je croyais que j'allais mourir. Enfin, être bloqué plutôt. À cause de ce crétin là qui fait son intéressant parce qu'il bug. Possible ça. Il faut toujours qu'il y en ait un. Et oh, il fait son beau, je suis bugué. Ouais, moi, je suis dans le mur. Possible ça. Donc, est-ce que je peux pas repasser en arrière? Non, d'accord, au revoir. Oui. J'ai vu une plante, mais je me suis dit, oh, ça n'a aucune intéressance. Ok, arrêtez. Arrêtez. C'était moi. Bonne journée. Oh, elle est toute petite. Voilà. Une pièce de supériorité, ça finit toujours comme ça. C'est triste, mais c'est la vérité. Je suis tellement optimiste. Quoi? Encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, elles ont respawné, vous faites chier les filles. Donc vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Non. 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 Vous êtes empoisonné. Vous êtes dangereux. Pour toute la société. C'est un peu raciste ça. J'aurais peut-être pas dû le dire. Je me sens mal. C'est un mensonge. Évidemment, vous l'avez tous compris. Sans cœur. Sans reproche. C'est moi. Ah, les sports, ça va. Voilà, c'est... C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Hein. C'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Axiou Bouboule. C'est bon, c'est réglé. Axiou Bitches Bouboule. Oui, évidemment, j'ai vu ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu cette traîtrise des coffres. En plus, il n'y en a pas un, mais deux coffres.
Eh ouais. Une carte de sorcier. Donc, s'il vous plaît. Alors, mettez pause pour lire, mais vous l'avez déjà lu parce qu'il y a deux exemplaires, donc vous l'avez déjà lu, évidemment. Mais si vous l'avez oublié, je suis encore une fois désolé. J'espère que vous avez été un ninja pendant cet instant et que vous avez mis pause sur lire. Pause sur lire. Une carte de sorcier. Je pense pas que c'est comme ça que je dois parler, mais bon. Ah, vous la connaissez pas. Saccharissa Tugwood, pionnière des potions de beauté, découvrit les propriétés curatives contre le pu de Bubobulbe, 1874-1966. Elle adorait, je pense, manier le Bubobulbe. Je pense que ça a été un délice pour elle. Évidemment, c'est du sarcasme. Hein. Je pense qu'elle a plutôt vomi plusieurs fois. Est-ce qu'il y a rien? Pas d'autres trucs cachés là-bas? Ok, on s'en fout. Vas-y, tombe, Harry. De toute façon, il n'y avait rien, j'en suis sûr. Un petit pack? Ok, tu peux dire aussi, va te faire foutre. Tu peux le dire aussi, on est entre amis. Je vais pas du tout te décapiter contre toute insulte. Vous en connaissez aussi celle-là parce que ça fait deux fois qu'on l'a, évidemment. CQFD, lol, c'est pas du tout ça, CQFD. Je vais me taire, c'est mieux pour tout le monde, toute la France, tout le monde. L'univers tout entier. Je vais me taire. Freinage! Je t'emmerde. Arrête. Bon, je sais que tu m'aimes pas, mais... Non. Donc, je commence à l'autre tout de suite. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, malgré le mindfuck qui s'est passé. Hein, pas vrai. J'espère juste que la chanson de Star Wars ne va pas être copyrightée. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais bon, je m'en fous. Le temps est parfait pour aller courir dans le parc, hein, Potter? Tu as quel âge? Ça, c'est une question qui te revient très souvent dans mes semaines, mais tu as quel âge? Non, parce que pour poser des questions comme ça, ça fait un petit peu... Je sais pas si vous avez vu la pub, là, du mec avec son canapé qui le vend, ensuite qui rencontre une fille assez jolie, on va dire, pendant courir et tout ça. Je sais pas si vous connaissez cette pub. Bref, ça parle de sexe, évidemment. Hein, faut pas se leurrer. Et... Tu as quel âge? T'es en 6ème environ, parce que t'as à peu près la même taille que moi. Donc j'imagine que tu as vers 10, 11 ans, 12 même, maximum. Hein. Donc je vais te répondre. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Arrête d'être possédé! Donc je vais te répondre non, évidemment. Le temps est parfait pour aller courir dans le parc, hein, Potter? Voilà, non. Et en plus, la prochaine fois, tu évites de me parler télépathiquement, parce que j'aime pas trop ça. Voilà. Donc j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Putain, c'est n'importe quoi. Que vous abonnerez à la chaîne, c'est déjà fait de mettre un like, de la partager sur les réseaux sociaux. Moi, je dis ça à tous. Regardez-moi cette magnifique chose. Je suis sûr que je vais mettre en miniature. Allez. Ciao, ciao, tout le monde. N'oubliez pas de liker, mettre un commentaire, de me suivre sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. C'est bon, Donald 48. Ciao, ciao. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain! Je te tiens! Non, je te tiens pas, je te tiens pas! Je pensais pas ce qu'il y a quelqu'un, en plus il a été bugué! Oh, il va te faire reculer! Bref. Donc, ouais, j'espère avoir réussi ça, mais bon, ça a l'air plus stable, donc ça a l'air cool! Ah ouais! Ah ouais, c'est mille fois plus stable!